Et justement, dans cette équipe de 40 membres, plusieurs anciens ministres du gouvernement Ona Ondo ont été confirmés à leur poste ou mutés à d'autres. Les détails dans ce reportage de Linda Nyumba Mungengi de notre rédaction. Ils sont 40 à composer la nouvelle équipe gouvernementale dévoilée le 2 octobre par le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé. Leur mission, accélérer les réformes en cours et ouvrir de nouveaux chantiers pour le développement du pays et l'épanouissement de tous. Dans ce gouvernement dit d'ouverture, la reconduction de 24 anciens ministres, y compris le Premier ministre actuel. 8 des gouvernements Daniel Ona Ondo ont été confirmés à la tête de leur ancien département ministériel, en cumulant ou en perdant évidemment certaines fonctions. Tandis que les 16 autres ont été mutés au poste longtemps ou jamais occupé. Parmi ces personnalités politiques, autrefois Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre ou ministre délégué, 7 femmes. Denise Mekamne, épouse Tati, Madeleine Baird, Nicolas Sélé, Patricia Taillé, Chantal Mebale-Ebedang, Françoise Assegon-Obam et Irène Linzonzo. Des hommes et des femmes bien connus du paysage politique gabonais qui, comme les nouveaux venus au gouvernement, sont tenus à l'obligation des résultats durant ce deuxième septennat d'Ali Bongo Ondimba.